Le problème, c'est sa gueule. Le reste, ça pourrait aller. Son buste frise la perfection. C'est sa gueule surtout, son visage. Non qu'il soit laid, non qu'elle soit laide, loin de là, mais faut s'habituer. Un moment qu'elle est là, qu'elle traîne dans les parages, jamais très loin, toujours à portée de vue, de regard, sachant parfaitement ce qu'elle veut et comment l'obtenir. Une bonne dizaine de jours au moins qu'elle l'attend, qu'elle l'attendait. Maintenant c'est lui qui l'attend. Elle le voulait, elle l'a eu. Enfin dans la mesure où on peut l'avoir. Quelques baisers, quelques caresses, un sommet. Toujours au même endroit, la barrière de fer tiède qui longe la sylvestre dépression, tout au bord du sentier qui mène à la piscine. Elle va venir, comme en est certain, presque trop. Il ne faudrait pas que ça aille plus loin, qu'elle le considère comme sien. Une virtuose du flirt, de la drague, dévoilant ses atouts les uns après les autres. Le buste, déjà, si parfait qu'il en ferait presque oublier le reste. Peut-être une erreur d'ailleurs. Un trop flagrant déséquilibre. Même son visage, si elle ne roulait pas le haut de son maillot sur ses hanches, si elle ne dévoilait pas, si impudiquement, ses petits seins à peine, ses bourgeons adolescents. Forcément, c'est d'abord là que le regard se pose, sur cette perfection-là. Alors le reste, à côté, a du mal à tenir la distance. D'autant qu'elle a aussi le cul bas, ainsi que de toutes petites papettes. Tu exagères, c'est facile de jouer les blasés après une telle journée. Elle t'a eu, elle t'a comblé. Monsieur fait son petit macho et crache dans la soupe dont il s'est délecté la veille. Elle était belle dans la pénombre du salon de ses parents absents. Vous auriez sûrement été beaucoup moins à l'aise en leur présence, se laissant embrasser, déshabiller, caresser, éclairer des seules lumières d'un live de Bowie sur grand écran classieux, son petit corps tendu au bord du canapé, offert à tes mains, à tes lèvres, et dans sa chambre ensuite. Alors que l'heure du retour parental approchait, éviter qu'il la retrouve ainsi, offerte et nue, une chambre de jeune fille. Ça fait toujours quelque chose, une chambre de jeune fille. Tant d'intimité dévoilée, tant de sens sollicité. Des jours qu'elle t'attendait, te voulait. Elle avait repéré ta place au solarium, au bord du gazon,
des arbustes, d'où tu pouvais tout englober d'un seul coup d'œil. Elle s'était approchée peu à peu, chaque jour un peu plus, semblant avoir deviné, percé à jour. Cela avait été agréable d'être ainsi diagnostiqué, d'avoir l'air d'être ce qu'il était aux yeux de celle qui le voulait. Alors que lui, non, vraiment pas, pas au début. Et elle avait dû subir, le voir partir ailleurs, vers d'autres, avec d'autres, chercher au-delà de ce qu'elle lui offrait. Il l'avait bien remarqué, mais c'était sa gueule. Surcabillée, il n'y aurait même pas fait attention. Elle n'était pas laide, ni vraiment jolie, disons originale. Un visage un peu trop plat, des yeux un peu trop fendus, des lèvres un peu trop épaisses, et un cul un peu trop bas. Un peu, rien qu'un peu. Il lui était arrivé de draguer bien pire. Mais le paradoxe de ce buste si parfait, elle l'avait parfaitement repéré, savait parfaitement à qui elle avait affaire. Et, une fois suffisamment proche, une fois qu'il s'était habitué à sa présence, à sa proximité, qu'il commençait à s'en sentir flatté, elle avait déballé ses armes, une à une. Paille, sucette, lunettes en plastique rose, enchaînant livre de Maznev sur livre de Jacquard, en passant par ses grès. On ne pouvait être plus clair. Ça lui avait fait presque peur d'être démasqué ainsi, si facilement. En même temps, après toutes ces années passées à se faire accoster par des hommes ou des mères. Tu ne sais pas trop comment, mais elle l'a su tout de suite. T'as tout de suite cerné. Elle t'a dit s'appeler Francesca, comme dans les 12 poèmes. Mais là aussi, tu la soupçonnes d'un quelconque Françoise, transformée à ton attention. A été si facile, il t'a suffi de céder. Tu savais qu'elle t'attendait, que c'est toi qu'elle attendait, que c'est pour toi qu'elle revenait chaque jour, arrivant avant toi pour y être au plus près, toujours plus près, que tu n'aies plus rien à faire, qu'un mot à prononcer. Elle a tout fait pour que tu la désires, t'en a laissé tout le temps, feignant d'ignorer que tu allais vers d'autres, continuant son approche comme si de rien n'était. Alors hier, dès ton arrivée, il t'a suffi de ce mot. Elle s'était installée à ta place, enfin juste à côté. Elle t'a souri, elle t'attendait. Tu lui as dit bonjour et tu t'es allongé près d'elle. Ta serviette contre la sienne, à se toucher. Elle s'est mise à plat ventre, le visage tourné vers toi, les bras repliés en oreiller. Et tu as fait la même chose, exactement, inversement, en miroir. Une connivence aussi rapide que la lumière. Vos coudes se sont frôlés,
Vos doigts se sont avancés doucement le long de vos avant-bras, et puis se sont touchés, caressés, emmêlés. Vous êtes restés comme ça un temps, sans parler, vos doigts entrelacés. Tu devinais ses hanches se soulever, son ventre, sa respiration s'accélérer au rythme de ton cœur. Un cadeau de longtemps attendu pour elle, une pochette surprise pour toi. Puis tu as relevé un peu les épaules, le haut du corps, la tête, appuyée sur les coudes, et tu as fait tanguer le tout vers son curieux visage, vers ses lèvres moelleuses. Elle a fermé les yeux, tu as fermé les yeux. Elle t'a demandé « Tu veux venir chez moi ?» Alors vous vous êtes levé, un quart d'heure à peine après ton arrivée. Vous êtes retrouvé devant l'entrée de la piscine. Elle t'a pris la main et vous vous êtes embrassé encore. À chaque pas, un baiser, tout au long de l'allée, de l'étroit sentier d'allée au milieu des broussailles, des arbustes, l'odeur du soleil sur sa peau bronzée. Elle n'habite pas loin, tout près, de l'autre côté du pont. Ce n'est qu'une fois dans la rue que vous avez échangé vos prénoms. Elle connaissait déjà le tien.
La voilà. Ce doit être la première fois qu'elle arrive après toi. Tu n'as jamais su être à l'heure à un rendez-vous, toujours en avance. Le temps nécessaire à préparer l'avenir, quitter le passé. Ce nouveau mail de Sinop dont tu ne sais que penser. Tu vas bien, tu te sens bien. Tu vis ce que tu as toujours voulu vivre. Il semble que cela suffise à te faire rayonner au-delà des frontières, jusqu'à Rome. Elle arrive, elle sourit, elle t'embrasse, vos langues s'enlacent, son corps se love contre le tien, tout ne devient que sens, plus rien d'autre n'a de sens. L'esprit est mort, il ne sert plus à rien, la volonté n'est plus, l'amour n'est qu'un mot. Il n'y a plus que sa peau contre la tienne, qu'un instant hors du temps, hors de tout. Ton oreille capte des pas, des murmures. Peut-être êtes-vous choquant, impudique, provoquant.